Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire des cartes pour mes petits-enfants. Voilà, oui, encore. pour leur souhaiter la bonne année et mettre leurs étrennes dedans. Voilà. Alors, pour ça, je vais utiliser les cartes que je vous avais présentées il n'y a pas longtemps, qui viennent de chez Action. Voilà. On montre les modèles. Voilà, comme ça, je vais faire des cartes un peu rapides. Je vais juste les décorer, puis mettre une petite pochette à l'intérieur. Et marquer bonne année, voilà. Donc, ce sera pour cette fois-ci des cartes un peu plus rapides. Donc, j'en ai trois à faire. Je vais voir avec quel papier. J'ai pris ma boîte de chute de papier. Je vais utiliser mes chutes de papier pour faire les décorations. Parce que bon, bah, il faut les utiliser. Hein. Et je vais voir ce que je vais mettre. Voilà. Donc les dies que je vais utiliser. Alors, j'ai sorti mes chiffres. Alors, je suis en train de réfléchir si je marque l'année ou pas. Je vais voir. Comme d'habitude, hein, je réfléchis, puis je vois au fur et à mesure. Donc, on va faire ça ensemble. Et on se retrouve tout de suite. Je vous change de pied. Je vous remets ici. À tout de suite. Donc, voilà. Alors, j'ai tout préparé. Voilà. Pour mon petit-fils, Mathis, donc ce sera cette carte-là. Donc j'ai choisi des couleurs comme ceci pour les décorations. Voilà. Là, il y a déjà une découpe de prête. Alors ils auront tous la même découpe. Donc c'est avec ce dies. Voilà. L'arbre avec les étoiles. Donc, pour moi, on va dire que ça fait un peu... Bon, c'est pas vraiment la même représentation, mais bon, je l'ai pas, le vrai. On va dire que c'est un peu comme si ça voulait dire l'arbre de vie. Hein? Bon, grosso modo. Hein? Bon, ils sont encore petits, donc ils savent pas trop encore, mais bon, pour moi, ça voudra dire l'arbre de vie. Donc, ils auront tous cet arbre. Donc là, vous voyez, j'ai déjà préparé. Donc, j'ai laissé comme ça parce qu'il est sur papier autocollant. Hein, vous vous rappelez ce papier-là. Je vous l'avais déjà montré sur ma précédente vidéo. Donc, c'était un papier que j'avais eu. Donc, c'était des feuilles 30-30. Des papiers que j'avais eu chez Cultura. Voilà. L'autre jour, je voulais vous mettre le lien, je crois, je ne me rappelle plus, mais je crois que je ne vous l'ai pas mis, parce que je ne retrouve plus le lien chez sur le site de Cultura. Mais je pense que si vous allez directement au magasin, je pense qu'ils doivent en avoir encore. Voilà. Donc, je n'ai pas les références, malheureusement. Sinon, alors attendez, il me restait un petit bout. Ouais, il me restait un petit bout de celle-là. La cuivre, voyez, mais j'ai plus du tout là, ça a été coupé, je suis désolée, mais voilà, il faut que ça me soit marqué ça. Donc désolée, il n'y a pas le reste, hein, mais vous avez déjà un bon bout de l'étiquette. Donc glitters feuilles, donc adhésive, voilà, 30 par 30 et demi. Voilà, donc ça s'appelle O Glitters, c'est fait par Toga. Voilà. Donc, il y a cette couleur-là, il y a blanc, il y a gris, il y a plusieurs couleurs. D'ailleurs, mercredi, comme je vais sur Villeneuve d'Ascq, je vais essayer d'y aller pour voir s'ils en ont encore pour que je puisse m'en reprendre. Donc, voilà. Donc, je disais, donc ils auront toute cette découpe sur leur carte pour dire de représenter un peu l'arbre de vie. Voilà. Ensuite, ma plus grande, donc j'ai choisi ces couleurs-là. Donc là, c'est les chutes dans lesquelles je vais découper.
Donc, comme je vous ai dit, hein, j'ai pris des chutes. Hein. De toute façon, les chutes, il faut les utiliser. Et ma petite dernière, voilà, Delizia, aura celle-ci, donc, avec ses couleurs. Voilà. Et le petit arbre également. Donc, on va commencer par mon petit mec. donc, excusez-moi. Donc, les stickers bonne année, voilà. Je vais faire mes étiquettes. Bon, c'est souvent mon préféré, hein, celui-là. Voilà, je fais mes étiquettes avec ça. J'ai sorti des étoile. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'avais sorti ça. Mais bon, moi, je ne le découpe pas. Hein. Je laisse en entier, je laisse la planche en entier. J'ai trouvé que, bon, ça va me faire découper plusieurs fois parce que c'est 2020. Donc, il va me falloir... d'ailleurs, il n'y a pas le zéro. Tiens, ouais, bah alors non, je ne vais pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas le zéro. Eh non, tiens, il n'y a pas le zéro. Ah mince, j'avais pas fait gaffe, regardez. Il n'y a pas le zéro dessus. Il me manque le zéro. Bon, donc bah, je ne vais pas l'utiliser. Donc, je vais me débrouiller avec mes stickers comme ça. J'en ai qui n'y a plus dedans, enfin qui ne sont pas rangés, voilà. Je vais me débrouiller avec ça pour marquer 2020. Voilà. Allez, on attaque. Donc, je vais déjà lui découper des petites étoiles. Alors, les étoiles, pour rappeler un peu les étoiles de l'arbre, vous voyez. Donc, comme d'habitude, vous allez bouger, hein, je suis désolée avec la Big Shot. Donc, celui-là, c'est pas un autocollant, je ne pense pas. J'aurais dû prendre la chute autocollante, mais non, celui-là, c'est pas une autocollante. Non, c'est pas un autocollant, ça fait rien. Hop. Donc là, comme j'ai dit, ça va être des cartes assez rapides, hein, puisque j'ai pas besoin de faire de fond. Voilà. Donc celui-là, j'en ai plus besoin. Normalement, si peut-être. Voilà. Donc je vais d'abord coller. Alors. Alors le plus difficile, c'est de décoller. Comme il y a des petites parties, j'espère que c'est bien découpé. Normalement, oui. Oui. Voilà. Donc, voilà mon arbre. Donc, je regarde. Avec ça. Ça n'a pas l'air très droit. Mmh.
Voilà. Donc maintenant, je vais découper. Ah ben, vous voyez, j'en avais déjà découpé un avant. Mon étiquette. Enfin, une première étiquette. C'est pour ça que les chutes, faut toujours les mettre dans une boîte à part. Comme ça, vous êtes tranquille. Oh, c'est normal, hein, n'ayez pas peur. Voilà. Donc celle-là, normalement, j'en aurais plus besoin. On va la mettre là. Et celle-ci, on va couper la petite. Voilà. Donc là, pour la nouvelle année, je vous dis, je fais vraiment des cartes très simples. J'aurais pu... Mais bon, j'ai encore des anniversaires au mois de janvier. Donc, de mes loulous. Hop, toi, il y a là. Donc, à leur anniversaire, on fera des choses... plus comment plus joli, enfin je ne dis pas que c'est pas joli, hein. Ah, j'ai mis dans ce sens là bon, ça fait rien, vous savez que d'habitude j'ai l'habitude de mettre en pupitre, mais là bon, c'est rien, ce n'est pas grave. Voilà, mon bonne année. Donc là, on va mettre du double face 3D. Voilà, on va remettre un 3D derrière le grand. Celui-là, on va le coller après. Alors, on va chercher du 2020. Alors, est-ce que j'ai du bleu? Je ne sais pas. Ah oui. Là, j'ai un bleu, deux bleus. Donc, c'est bon. Alors, comment va mon étiquette? Comme ça. Le 2020. 2021. Oulala.
Vous voyez ce que je vais faire? Je ne vais pas les mettre droit. Oui, c'est 2021. Donc, on prend un 2 ici. Oui, on est en 2021 l'année prochaine, enfin dans quelques jours. Voilà, donc on va la retourner pour bien coller. Je l'ai marqué 2020, n'importe quoi. Voilà. Donc maintenant, je peux coller mon étiquette. Et du coup, je vais voir pour mes étoiles. Voilà. Une ici. Voilà. On va mettre du 3D. Où j'ai mon vent qui gargouille. Voilà. Et la petite dernière. Voilà, petite carte rapide. Donc il me reste à mettre une petite pochette, là, comme vous avez vu la dernière fois. Hein. Je vous remettrai le tuto hein, ici, quelque part, de la petite pochette. Donc voilà, celle de mon petit mec est faite. Alors, celle de ma grande. Donc, c'est pareil. Hein, voilà. Ils vont avoir le même genre, hein, tous les trois. Donc. Le plus dur, c'est de décoller l'arbre. Sans arracher les branches. Hop. Je garde les chutes parce que je peux encore faire des petits trucs avec. Hein.
Décolle-toi. Et pareil, voilà. Allez, pour le reste, je vous passe en rapide puisqu'on va faire la même chose. Comme ça, et je vous montre à la fin le résultat. Thank you.
Donc voilà, les trois cartes sont terminées. Bon, elles sont identiques, identiques, voilà, sauf le fond. Donc celle-là pour Matisse, mon petit mec, donc en bleu. Celle-là pour ma grande, Elina, voilà. Et celle-là pour mon petit bout, Delizia. Voilà. Donc, comme j'ai dit, il me reste à mettre les pochettes. Mais ça, ça va aller très vite à poser. Et je vous dis, donc, je vous remets le lien pour trouver les pochettes. Comment les faire en barre d'infos, et je vous l'ai mis également en incrustation dans la vidéo. Alors vous avez vu que j'ai coupé ces étoiles, je voulais les mettre sur la carte d'Elina, et après j'ai pensé, j'ai dit non, je vais faire tout le monde pareil, et puis de toute façon celles-ci sont autocollantes. Donc, je n'aurais pas pu les mettre en 3D parce que, de toute façon, le papier serait parti. J'ai déjà fait hein, avec l'autocollant, mettre du 3D derrière, ça part. La protection serait partie. Donc, ça rien, je vais les garder. Ce sera pour une autre création. C'est pas perdu, voilà. Donc, voilà pourquoi vous m'avez vu les coller. Également, vous m'avez vu découper... cette étiquette là, c'était une erreur, voilà, pour la carte d'Elina. Je voulais découper en pailleté et j'avais découpé celle-ci à la place, mais voilà, donc c'est pareil, c'est pas perdu, ce sera pour une autre création. J'avais sorti mes perles, ça vous l'aviez pas vu, mais bon, j'en ai pas mis, voilà, je trouvais que ça s'offrait trop là. De toute façon, je vous dis, pour la nouvelle année, je ne veux pas charger. Le principal, c'est ce qu'ils vont trouver à l'intérieur dans la petite pochette. Voilà. Ça, ils s'en fichent un peu, je pense. Ce qui les intéresse plus, c'est ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc, voilà. C'était ma petite vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Mais si on ne se revoit plus avant l'année prochaine, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année. Soyez prudents, prenez bien soin de vous et de votre famille. Ne faites pas de bêtises pour finir cette année. Hein. On va essayer de la finir en beauté. Voilà. Et donc, pour celles que je ne reverrai pas, enfin, que je vous vois pas, mais pour celles qui ne reviennent pas sur ma chaîne avant l'année prochaine, je vous souhaite une bonne fin d'année. Voilà. Et de toute façon, je viendrai vous donner mes vœux en début d'année. Ça, c'est sûr. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je suis là. Coucou. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous.